Cotier. C'est à Bastère. Il y a l'invitation du préfet. Je vous remercie pour votre attention. Je passe le micro à Monsieur Goulier. Le commandant du COMSUP, donc en tant que président de région. Monsieur le préfet, je devais être ici, mesdames, aux messieurs, côtés du maire de Bastère, grade du préfet, qualité, de tous les autres élus. Mesdames, tous messieurs, les nouveaux aussi députés qui sont là. Je pense qu'à chaque collectivité, effectivement, expliquer l'histoire du 14 juillet. Que je vais vous décrire. Mais le fait marquant aujourd'hui pour moi, c'est le geste que avant le toute préfet chose, de pouvoir honorer pour la première fois 13 familles de vieux habitants qui ont porté ce droit, familles accidentées qui ont sauvé des vies. Et mer. Ça, pour moi, c'était vraiment très, très en fort. Effet, cela prouve qu'on 2016, peut être solidaire, on peut vivre en famille, on peut se donner la main dans ce département, dans cette région, quand on le veut. Mais c'est une manifestation. 14 juillet, c'est dans toute la France, aujourd'hui, c'est à Bastère. Là, je pars à Bemao pour pouvoir défiler. Donc, c'est une manifestation qui s'est très, très bien déroulée aujourd'hui. Avec tous les composants militaires, pompiers, gendarmerie, des décorations aussi, des médailles nationales du mérite. Donc c'est vraiment une très belle manifestation. Pas seulement cela, mais toutes les victimes. Il faut qu'aujourd'hui nous sommes vivants. C'est une association car l'histoire du 14 juillet, rappelez-vous, si certains sont morts et je le dis tous les jours, pour qu'aujourd'hui nous soyons là, moi c'est pour cette raison que je me dis, aujourd'hui je suis président de région, j'ai été maire, je me donne pour pouvoir accompagner ceux qui viendront demain. Et un moment de convivialité, mais surtout un moment, je dirais, de sérénité, où on est fier, de voir défiler les jeunes, les moins jeunes, mais on est fier surtout d'être là et puis de fêter ensemble cette fête nationale du 14 juillet. C'est traditionnel, chaque fois que je peux, l'an dernier c'était mon premier vice-président, cette année c'est moi, parce que je me partage entre ce qui se passe en Grande-Terre et ce qui se passe en Bastère. Donc très beau défilé, très agréable moment, et puis un moment fort quand on a récompensé quand même toutes ces personnes de vieux habitants qui ont sauvé des vies. Et que je crois que ça se fait tellement peu souvent qu'il faut vraiment les féliciter. Mais féliciter Monsieur le Préfet qui a eu l'idée et de prendre cette responsabilité-là, de féliciter, de récompenser, d'honorer ceux qui font des actes de bravoure. Donc, très, très bon moment. Et puis, je suis toujours très fière et très heureuse de voir nos porte-drapeaux, les anciens combattants qui sont là et qui sont fidèles au poste, même s'il y a des visages que je connaissais, que je voyais, et qui ne sont pas là aujourd'hui. Est-ce que ces personnes sont malades? Est-ce qu'elles sont décédées? Donc, ce sont des... On s'habitue à les voir, on s'habitue à leur dire merci d'être là. Donc, aujourd'hui, je me félicite d'être là. Je me félicite de voir tous ces militaires défilés, et je me félicite tout simplement que la population ait répondu, et c'est une population joyeuse, il y a beaucoup d'enfants, et là aussi c'est des sortes de passages de témoins lorsqu'on voit autant d'enfants accompagnés, autant de parents accompagnés de leurs enfants venir voir ces défilés. Comment ne pas avoir, j'ai passé d'ailleurs, j'ai peu dormi parce que je voulais voir le défilé en direct, donc dès 2h du matin, mais ce soir je regarderai l'hommage que l'on fait à Nice, mais la vie continue. Et c'est vrai que j'ai écouté une jeune femme hier, comment ne pas avoir les larmes dans les yeux, qui disait nous étions cinq. Nous étions cinq, sa maman, son fils, son frère, la maman et son beau-père. Et elle est la seule à être rescapée. Et elle dit ma vie a basculé. Donc, ce seul témoignage vous oblige au respect, vous oblige à avoir une pensée, à la fois pour ceux qui ne sont plus là, mais pour les familles qui doivent continuer la route. Donc, avec, je dirais, la liesse que nous avons, je pense qu'il faut penser que la vie continue et il faut souhaiter que ces familles qui ont été amputées, qui ont été décimées, puissent recommencer à vivre, recommencer aussi à se dire la vie, malgré tous ces malheurs, malgré toutes ces difficultés, tous ces crimes et ces atrocités, la vie est quand même, elle mérite d'être vécue parce qu'on peut apporter quelque chose à l'autre. Je trouve que d'année en année, il y a des efforts qui sont faits
aussi bien par les services de l'État, par le SDIS et par tous les partenaires qui doivent intervenir le 14 juillet pour montrer qu'effectivement que c'est une très belle fête. Nous avons des traditions liées à notre culture. Nous sommes très attachés parce que nous sommes Guadeloupéens, mais nous sommes aussi Français et que les traditions de la République, je pense qu'il faut les maintenir pour rappeler les valeurs de ce grand pays qu'est la France, parce que ce sont des valeurs universelles. Bien sûr, parce que le fait que nous soyons Français, ça montre aussi que nous pouvons compter sur un certain nombre de dispositifs que l'État met à disposition de la population pour assurer sa sécurité. Et à ce titre, je pense qu'il faut que chacun se rende compte des missions de service public qui sont très importantes au quotidien et surtout valoriser tous ces professionnels qui donnent de leur vie parfois pour sauver des Guadeloupéens, pour sauver des citoyens français. Et je pense qu'il ne faut pas oublier tout cela. Le 14 juillet, c'est notre fête, c'est une fête nationale, c'est la fête aussi pour la Guadeloupe. J'imagine que la fête du 14 juillet est très difficile en ce moment pour une population comme Nice, qui va garder pendant des années le souvenir de cette malheureuse fête, ce drame qui a marqué toute la France, mais qui a surtout marqué les Niçois. Je pense qu'on ne peut pas effacer ces images. Je remarque aussi qu'en termes de sécurité, le préfet a mis les moyens, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes malheureusement victimes du terrorisme et qu'il faut à ce titre protéger. C'est la première, j'ai envie de dire, sortie protocolaire. C'est le 14 juillet, donc c'est un moment particulier, un moment où on fête la victoire de la France, mais surtout un moment où on se rend compte qu'on a absolument besoin de ces forces-là, ces forces qui nous défendent. Et c'est important de voir ici en Guadeloupe, réunis dans le cadre de défilé, toutes ces forces, que ce soit le SDIS, les sapeurs-pompiers également, l'armée, la gendarmerie, toutes les forces de l'ordre dont on a besoin, qui sont essentielles pour le bon développement et la bonne marche du pays. C'est vrai que nous avons vécu l'année dernière en France, à Nice, des moments particuliers. Dieu merci, nous avons l'impression qu'en Guadeloupe, nous sommes un peu à l'abri de ça, mais je pense qu'un événement comme celui-là pourrait peut-être arriver. Il faut surtout se rappeler que il faut effectivement que la paix revienne, il faut que les forces de, j'ai envie de dire, l'esprit d'amour puisse régner entre nous pour que nous n'ayons pas ces moments tragiques qui touchent tout le monde et la personne n'est à l'abri de ces moments-là. En tout cas, nous espérons que chez nous, en Guadeloupe, nous arrivons à passer au-delà. En particulier, je trouve que la population a répondu et c'est important que nos enfants soient là. Il faut que, j'ai envie de dire, l'esprit de mémoire, que nous puissions leur transmettre cette mémoire-là. Et c'est important de les voir aujourd'hui dans ce cadre de cette manifestation un peu, j'ai envie de dire, protocolaire, une manifestation également de parade. Le 14 juillet, il est vrai, où je suis présente en compagnie de l'ensemble des forces vives de la Guadeloupe, de la République, qui honore ces forces de police, ces forces de gendarmerie, les militaires, qui font un travail remarquable, et en cela, je tiens à les saluer. Ah oui, j'ai une belle pensée, une grosse pensée pour le premier hommage des victimes de Nice. Très affligeant lorsque nous savons que la France est aujourd'hui en vigipirate, et nous devons faire attention parce que le terrorisme court toujours au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis. Mais la jeunesse doit connaître l'histoire de son pays. La jeunesse doit connaître l'histoire de la Guadeloupe, mais aussi l'histoire de la République française. Et je pense qu'aujourd'hui, il était de bon ton et de bon augure qu'on puisse décorer les jeunes de vieux habitants, mais qu'aussi les jeunes du RSMA puissent défiler, parce que nous voyons que ce passage à témoins qui se fait de manière résolument, du moins, au niveau de la Guadeloupe. C'est ma première sortie très officielle. Officiellement, j'ai été invité par M. le préfet à assister à cette cérémonie. C'est une très belle cérémonie. Non seulement nous avons vu ce qui constitue une partie des forces armées et stationnées en Guadeloupe, mais également le RSMA, on a vu les sapeurs-pompiers de la Guadeloupe. Bref, on a vu un moment de discipline, mais un moment aussi où le matériel, non seulement les hommes avec une grande discipline, mais aussi le matériel a été présenté. Et en plus, c'est un moment où je dirais que l'ensemble de la nation, quel que soit ce qu'on peut en penser, peut se retrouver dans un moment commémoratif. Avec beaucoup d'engagement ici à Basse-Terre, les forces militaires, les forces de sécurité étaient, présentes sous l'autorité de l'amiral Coupry, commandant les forces armées dans les Antilles. Et nous avons
assisté, à mon sens, à une très belle cérémonie. Ça a été l'occasion aussi de décorer des militaires, des gendarmes particulièrement méritants, mais aussi vraiment de souligner, je dirais, l'engagement de nos concitoyens au service d'autrui. Et c'est tout le sens des médailles pour actes de courage et de dévouement et des médailles de la sécurité intérieure qui ont été attribuées à des personnes qui se sont engagées au péril de leur vie pour essayer d'en sauver une. Et je crois que c'est aussi très symbolique de ce que doit être le 14 juillet, c'est-à-dire un engagement au service de ce pays, un engagement au service de sa patrie et un engagement au service de tous nos concitoyens. Voilà, je crois que ça symbolise parfaitement notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité et j'ajouterai solidarité.